Mon nom, c'est Lambert Kouassi. Bienvenue à cette présentation. Je suis votre conférencier du jour et assisté par le top leader Alain Sauvé pour la présentation de Maïdatio. Alors, Maïdatio a une mission, a une vision et a des valeurs. La mission, c'est que la compagnie veut ici aider l'humanité à se divertir. Nous sommes dans un monde plein de chaos, plein de stress. Les gens doivent se divertir. C'est l'une des missions. La deuxième mission, c'est d'aider des millions de personnes à travers le monde à se créer une deuxième source de revenus. La troisième mission, c'est que la compagnie veut aider l'humanité, chaque être humain à pouvoir se réaliser, bien sûr, en se faisant de l'argent. Voilà. Donc, ça, c'est les grandes missions de la compagnie. La vision de la compagnie, c'est qu'elle veut devenir ici, dans peu de temps, la plateforme, la plateforme de e-gaming, de jeu la plus utilisée, la plus préférée dans le monde entier. La deuxième vision de la compagnie, c'est qu'elle veut, ici, 5 ans, avoir plus de 20 millions de joueurs et 20 millions d'affiliés sur sa plateforme Maïdatio. Et la dernière vision de la compagnie, c'est de fabriquer, si je puisse me permettre ainsi, des millionnaires ici 3 à 5 ans. Des millionnaires. C'est-à-dire, pendant que les gens aiment se divertir, vous faites de l'argent. Comme en valeur, ils sont dans les valeurs d'intégrité, de détermination, de crédibilité, de, comment dire même, à la passion pour prendre soin de leur clients que vous êtes. Et ils veulent partager aussi ce qu'ils font comme agent avec leurs membres. La compagnie a un business qui est 100% mobile, comme vous l'avez constaté, et il y a des raisons. Aujourd'hui, des gens jouent sur leur portable, sur leur ordinateur, et cela représente l'argent que les gens dépensent pour faire ça dans les jeux, ça représente plus de 159 milliards de dollars. C'est un marché très rentable, il ne faut pas laisser passer. C'est ce que Maïdatio a fait. À côté, la compagnie se rend compte que dans le monde entier, suite à cette affaire de COVID-19, de plus en plus de personnes cherchent à travailler depuis leur maison ou à travailler depuis là où ils se trouvent. Travailler de là où vous trouvez, cela représente aujourd'hui dans le monde entier, ceux qui sont dans ce domaine-là, l'argent que les gens dépensent pour faire ce genre de travaux-là, de métiers, pardon, cela représente 189 milliards de dollars, ça génère 189 milliards de dollars. Le troisième marché très important, c'est le marché des jeux en ligne ou des casinos ou des paris sportifs. Cela représente, mesdames et messieurs, 127 milliards de dollars. Cela aussi intéresse Maïdatio. Et il y a une autre nouvelle industrie, c'est l'industrie des jeux grâce à la blockchain. La blockchain, c'est toute une intelligence artificielle vraiment très sophistiquée et qui a vu le jour avec l'innovation du Bitcoin. Et l'innovation qui sous-tend le Bitcoin, c'est la blockchain. C'est un grand programme, comme si c'était un robot. Et avec la blockchain, aujourd'hui, on peut créer toutes sortes de jeux. Et cela aussi reprend déjà, au tout début déjà, en moins de 10 ans, un marché de 2,3 milliards de dollars. Tout ça, Maïdatio va les combiner pour créer quelque chose de bon pour vous. Et elle vous dit, la même manière que Airbnb n'a pas de lit, mais est devenue une entreprise qui héberge les gens, la même manière que Uber, qui n'a même pas une seule voiture, mais a une plateforme pour pouvoir permettre aux gens de faire le transport, de la même manière, Maïdatio n'a pas de jeu personnel, mais va faire en sorte que vous puissiez non seulement jouer, vous divertir, mais aussi à vous faire de l'argent, des profits. Et donc, l'autre remarque qu'on fait dans le monde entier, c'est que par jour, en une seule journée, 2,4 millions de jeux sont joués à travers le monde. Et la différence que Maïdatio apporte, c'est que pendant que tu joues, tu peux te faire payer. Voilà un peu la nouveauté au niveau de Maïdatio. Cela est un constat réel que 2,4 millions de jeux sont joués à travers le monde, mais le plus grand changement apporté par Maïdatio, c'est que quand tu joues, tu gagnes de l'argent. Voilà un peu la différence. Ou bien quand d'autres personnes jouent, d'autres personnes puissent gagner de l'argent. C'est ça l'innovation que Maïdatio apporte. Pour ça, ils vont créer une plateforme sur laquelle 4 choses importantes se passent. La première, on peut se divertir sur la plateforme. La deuxième, des apporteurs d'affaires comme des affiliés peuvent aussi apporter des gens et se faire de l'argent. La troisième, il y a un plan de compensation dont nous en parlerons tout à l'heure ici. La quatrième, c'est que les leaders, ceux qui vont se faire distinguer, qui vont se distinguer par leur travail, auront un traitement spécial. On est affilié 7, mais il y a des gens qui sont non seulement des affiliés, mais des leaders. Ils auront un traitement spécial. Ils vont se faire plein d'argent. Voilà, mesdames et messieurs, comment la compagnie est organisée. Alors,
La première chose dont on a parlé de divertissement, le point numéro un. Là, on est en train de parler des quatre parties ici. Regardez les quatre choses. Notre formation, notre présentation va s'articuler autour de ces quatre points qui sont là. Entertainment, c'est le jeu. Quand tu joues, tu gagnes quoi? Comment ça se passe? Ici, tu veux être un porteur d'affaires, etc. Mais on va faire en sorte qu'on puisse toucher les quatre options pour que vous puissiez être bien nourri. Et donc, on ne va pas parler du point 2 en deuxième partie. On va parler d'abord de ceux qui peuvent jouer. Après, on va parler du sport bot. Et enfin, on va parler de, comment on appelle, de la spéculation. Et enfin, on parlera des affiliés, comment être apporteur d'affaires, se faire de l'argent. Voilà comment, mesdames et messieurs, je vais programmer ma présentation de ce soir. Alors, entertainment. Ici, dans cette compagnie, vous pouvez vous enregistrer en free. Vous ne payez rien. Et vous pouvez devenir un joueur. On les appelle un player. Free player, sign up, c'est-à-dire que tu viens, tu joues, tu t'amuses, tu te divertis. En te divertissant, ici, le but, c'est de faire deux choses à la fois. Je me divertis, certes, mais je peux me faire de l'argent me divertissant. Voilà un peu le changement. C'est ce qu'ils ont dit ici, plus haut. Ils disent que c'est vrai, des millions de jeux sont joués par jour. Mais eux, ce qu'ils veulent apporter comme nouveauté, c'est que tu ne joues pas pour jouer simplement. Pendant que tu joues, tu te fais payer. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Tu te divertis, mais tu gagnes l'argent à la fois. Donc, tu gagnes deux choses à la fois en te divertissant. Donc, pour faire ça, vous allez simplement vous enregistrer en tant qu'un player. Et donc, vous avez un back-office un peu spécial. Vous jouez en tant que player. Et pendant que vous jouez, vous allez acheter des game credits, des crédits de jeu. Et je vous ai montré tous les jeux au début. Dans la petite vidéo, je vous ai montré tous les jeux. Tous ces jeux que je vous ai montrés, vous pouvez donc pour jouer, vous pouvez payer juste des game credits. Vous venez sur leur boutique ici. Game credit, ça va de 10 euros jusqu'à un certain nombre. Donc, vous pouvez payer pour 10 euros simple pour aller jouer. Vous aurez 500 game credits. Tous les jeux dans lesquels vous allez vous intervenir, vous allez miser des game credits avant de jouer pour gagner de l'argent ou bien pour vous divertir. Si vous n'avez pas de game credits, vous ne pouvez pas jouer. Et donc, ici, pour 50 euros, vous aurez 2500 game credits. Pour 150 euros, vous aurez 8500 game credits. Pour 250 euros, vous aurez 15 000 game credits. Voilà comment un player peut jouer, ok, peut jouer ici et se faire de l'argent ou se divertir. Donc, il y a les game credits qu'on prend pour jouer. Et je vous ai parlé aussi du sport bot, où il y a un robot qui vous permet de pronostiquer. Donc, si au lieu d'aller sur le site de dacio.com, quand vous avez payé le game credit, vous allez venir sur dacio.com, vous allez jouer, vous avez vos game credits pour jouer les jeux que vous voulez. Vous voyez, il y a toutes sortes de jeux. Ouais, il y a le jeu de paris sportif, tout ça de jeu. Maintenant, si vous, à défaut d'aller le faire, vous ne voulez pas le faire, vous ne savez pas jouer au paris sportif, par exemple, et que vous voulez, en tant que player, utiliser votre crédit de jeu, enfin, utiliser votre argent pour jouer avec le robot, alors notez que vous, en tant que membre simple player, tu peux aller miser dans le robot qu'on appelle le sportbot. Le sportbot, il fait du pari sportif. Et en tant que player, le maximum de mise que vous pouvez apporter dans le sportbot pour être payé chaque semaine, on misait maximum 200 euros. Pap, c'est le maximum. Tu peux commencer à 100 euros, tu peux commencer à 10 euros, jusqu'à 200 euros maximum. Donc, celui qui est player, qui est venu juste, il n'est pas affilié, il peut jouer toutes sortes de jeux que vous voyez là, toutes sortes de jeux, vous voyez, la liste est là. Mais toi, ce que tu peux, le maximum que tu peux miser dans le sportbot, qui est un robot qui joue pour toi, c'est 200 euros. Mesdames, messieurs, je viens de finir de vous expliquer la première option pour ceux qui veulent s'intéresser à MyDacio. La deuxième option, donc, il y a toutes sortes de jeux qu'on vient de voir. On va parler du robot. Le robot qui vous permet de jouer et de gagner de l'argent. Il y a un robot. Et ce robot, c'est la deuxième option de jouer ici. C'est-à-dire, tout ça, ce sont des jeux. Le robot même, c'est aussi un jeu. Maintenant, comment le robot se comporte? Enfin, comment ça fonctionne? Comment moi, c'est de l'intelligence artificielle qu'on appelle AI, Artificial Intelligence. Donc, c'est de l'intelligence, c'est comme un robot, c'est un programme. Un programme informatique qui fonctionne comme qui est intelligent et qui fait des suppositions, des combinaisons, et qui marque toujours, qui gagne toujours au niveau du pari sportif. Donc, ceux qui ne savent pas jouer au pari sportif manuellement,
peuvent confier leur mise à ce robot et le robot, tous les jours, joue. Et le robot gagne. En tout cas, la base, vous perdez moins. La dernière fois, j'ai joué. Une fois, j'ai joué au Paris Sportif par Maïdassou. Une fois, j'ai gagné. L'autre fois, j'ai perdu. Une autre fois, tu gagnes. Une autre fois, tu perds. Ça, c'est quand tu vas sans le robot. Mais avec le robot, tu gagnes toujours. Par conséquent, des personnes comme moi, qui ne maîtrisent pas le Paris Sportif, préfèrent passer par le Sportbot pour aller au Paris Sportif sur Maïdassou. Alors, et comment ça fonctionne? C'est ce que je vais vous expliquer maintenant, comment le robot fonctionne. Il y a tout un document là-dessus que je n'ai plus le temps pour lire et je vais vous donner l'essentiel. OK, bien. Dans l'essentiel, il y a trois choses importantes. La première est le montant que tu peux miser selon ton statut de membre. Tu es soit un player, je viens de vous dire que quand tu es player simple, tu ne peux miser que 200 euros. Ou bien tu es starter. Starter, c'est celui qui a payé un pack d'adhésion à Maïdassou. C'est lui qui est starter. Et donc, par exemple, si quelqu'un décidait, il était player, il décidait d'être un affilié, il va venir ici et il va payer le pack d'adhésion. Et le pack d'affiliation, il y en a trois. Il y a le starter qui coûte 99 euros, il y a celui-ci qui coûte, business qui coûte 599 euros, et celui-ci qui coûte 1999 euros. Même en tant qu'affilié, quand tu prends ces packs-là, on te donne des game credits. Par exemple, tu payes le pack starter, on te donne 1000 game credits pour aller jouer. Tu es un apporteur d'affaires, un affilié, mais on te donne ça. Je disais qu'on allait remettre après le côté affiliation dans la quatrième étape. Mais on est en train de parler d'une option du Sportbot. Et le Sportbot dit, quand tu es player, tu peux miser jusqu'à temps. Quand tu es starter, tu peux miser jusqu'à temps. Quand tu es business, tu peux miser. Donc, je suis obligé de parler des packs d'affiliation avant de continuer. C'est ainsi que je vous dis que si tu as le statut de business, alors tu gagnes 20 000 game credits. Tu payes Business Pro, tu gagnes 70 000 game credits, tu dépenses cette somme d'argent. Maintenant, quand tu as ce statut-là maintenant, alors on peut te permettre de jouer, de miser gros dans le Sportbot. Et là, on est sur le Sportbot actuellement. Donc, un player qui n'a pas payé un pack d'affiliation, lui, il peut miser jusqu'à 200 euros. Un starter, lui, il peut miser jusqu'à 989 euros. Je vous ai montré qui est starter tout à l'heure. Un starter, c'est celui qui a payé 99 euros pour devenir membre affilié à Maïdassou. Donc, lui, on peut lui permettre de miser jusqu'à 999 euros. Un business, lui, il peut miser jusqu'à 4 999 euros. Et un business pro, celui qui a payé 1999 euros tout à l'heure, lui, il peut miser jusqu'à la somme de 10 000 euros. Mesdames et messieurs, voilà la première chose qu'il faut noter au niveau de Maïdassou. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est le pourcentage lié à votre montant. Le pourcentage lié à votre montant. Puisqu'il est question de vous payer sur 26 semaines. Donc, durant 26 semaines, on va vous payer de l'argent. N'est-ce pas? On va vous payer de l'argent durant 26 semaines. Donc, il est question de savoir quel est le traitement auquel vous serez soumis. Monsieur Maurice, excusez-nous, Maurice, fermez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Maurice, votre micro, fermez-le, s'il vous plaît. Excusez-moi, je vois quelque chose. Fermez tous les micros. Voilà, je crois que c'est bon. Bien. On va attaquer le deuxième point sur le Sportbot. On a parlé du type de membre qu'on peut avoir et du maximum qu'il peut miser. Maintenant, on va voir le traitement auquel ils sont soumis par semaine en parlant du pourcentage de gain. Il y a deux pourcentages de gain. Et il y a un calcul à faire pour trouver ce que vous devez gagner par semaine. Mais d'abord, je parle du pourcentage qui est lié à votre montant. Tous ceux qui ont misé un montant compris entre 100 euros et 999 euros, on appliquera dans les calculs 25% sur leur capital, sur leur mise. Ici, on ne parlera pas de capital parce que selon eux, ce n'est pas de l'investissement d'argent. Tu es en train de jouer, Sportbot, de miser. Donc, l'expression, le vrai français sera « j'ai misé ». On mise et on gagne. On n'investit pas, mais on mise et on gagne. De 1 000 euros jusqu'à 4 999 euros, tu es payé à 50% sur ta mise. Et on verra tout à l'heure les calculs.
le 5 000 euros et plus jusqu'à 10 000 euros, en tout cas pour ceux qui sont dans, dans ce statut-là de membre, là, on te traite avec 70%. Alors, comment on fait les calculs? Cela va nous amener à vous montrer un document qui vous me permettra de vous expliquer comment les calculs sont faits dans la semaine. Bien. Regardez bien ce chemin. Chaque jour, le robot fait le pronostic. Et chaque jour, le robot gagne quelque chose. Mais le robot qui gagne quelque chose, en fonction du gain, un taux se dégage, un taux journalier se dégage. Un taux journalier se dégage. Et sur la base des taux journaliers, on peut noter des exemples devant vous. Le mardi, le robot a joué selon ses gains. Le taux qui s'est dégagé, c'est 1%. Le mardi, 1,5%. Le mercredi, 1%. Le jeudi, 1%. Le vendredi, 1,5%. Le samedi, 1%. Et le dimanche, 1%. La compagnie Maidasio paye par semaine dans le sport board et non pas par jour. C'est par semaine. Donc, on va additionner tous les taux journaliers pour dégager un taux hebdomadaire. Et c'est sur la base de ce taux hebdomadaire qu'on va s'en servir pour payer, pour faire les calculs. Donc, on vient de trouver un taux hebdomadaire. On va retourner donc dans notre document de départ pour continuer l'explication. Donc, on a déjà deux taux. Il y a le taux qui est lié à la mise de chaque personne, selon la tranche que vous voyez ici, et il y a le taux hebdomadaire. Dans notre exemple ici, on va prendre un exemple où un monsieur a misé 5 000 euros dans le robot. Et à la fin de la semaine, il est question de payer ce dernier. En payant ce dernier, on va faire le point. On va faire le point pour voir comment on va payer ce dernier. On fait le point, le calcul. Alors, c'est ce calcul qui est la chose la plus importante que vous devrez comprendre. Comment le calcul se fait? Le calcul se fait d'abord en appliquant au début le taux hebdomadaire, avant le taux lié à votre montant. Donc, dans notre exemple ici, on prend votre exemple, vous avez misé 5 000 euros dans le robot. Et la somme de tous les taux journaliers a donné un exemple, 8,57%, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça, c'est la somme de tous les taux journaliers. Et comme ça fait une semaine, ça fait 8,57%. C'est le taux hebdomadaire. Ce taux hebdomadaire peut varier selon que le robot a bien gagné dans certaines journées et a gagné peu dans certaines journées. Et pour cet exemple, c'est 8,57. Maintenant, combien ce monsieur qui a misé 5 000 euros va avoir en tenant compte de son pourcentage qui est ici de 70%? On prend les 5 000 euros. On va le multiplier d'abord par le taux de la semaine. Et on l'a fait ici. 5 000 euros multiplié par 5,7%, on a trouvé 428 euros. Mesdames et messieurs, ce n'est pas ce qu'on vous donne pour le moment. On va faire un deuxième calcul. On prend ce résultat. On va le multiplier maintenant par le taux qui est lié à votre montant de mise, qui est ici, qui est de 5 000 euros. Si c'était pour cela, on allait multiplier par 50%. Si c'était ici, on allait multiplier par 25%. Donc, le montant, c'est 5 000 euros. Donc, on est ici dans la tranche de 70%. Donc, le résultat qu'on a trouvé ici, on va prendre ce résultat. On va appliquer à son pourcentage qui est de 70%. Ça donne 289,95 euros. C'est ce montant qui est payé à la personne. Mais ce montant-là, la compagnie va vous donner directement dans votre compte, va payer ça et c'est ce que vous avez dans la semaine. Voilà comment la compagnie vous traite pour le sport ball. Et votre argent est bloqué pour 26 semaines. Et à la fin, si la compagnie n'a pas, le robot n'a pas fait trop de pertes, vous avez la totalité de votre capital de mise. Cela veut dire quoi? J'ai bloqué mon argent dans le robot, j'ai été payé sur 26 semaines, le montant peut changer, c'est pas toujours que tu vas avoir, la personne va avoir ce montant. Ça peut être plus que ça, comme ça peut être moins que ça à certains moments selon le taux qui est là.
C'est ce premier taux qui influence tout le reste. Et donc, vous pouvez avoir ça chaque semaine, sur 26 semaines. En tout cas, quand on fait le point de les 26 semaines, qui font 6 mois et demi, forcément, vous gagnez. C'est mieux que ceux qui ne savent pas jouer au pari sportif sans miser et qui perdent. La dernière fois, j'ai misé, j'ai perdu. Une autre fois, j'ai gagné. Or, ici, là, tu gagnes toujours quelque chose chaque semaine. Voilà ce qu'il faut noter, mesdames et messieurs, au niveau de ce bonus. Donc, voilà la deuxième option dans ce business de Maïdacio. On va attaquer maintenant la troisième option, parlant de la spéculation. Et pour ça, je vais ouvrir mon back-office et je vais montrer comment se passe. Pour la spéculation, ceux qui veulent spéculer, vous êtes obligés de prendre un pack d'affilié. Si vous restez player, vous n'avez pas accès à la page de spéculation et voilà votre back-office. Voilà, c'est le back-office d'un player qui joue simplement pour gagner de l'argent. Regardez les montants qui circulent en vert. Ce sont des personnes qui jouent au casino, voilà l'argent qu'ils gagnent. Dans le mois, dans ce mois, voilà les top gagnants dans ce mois. Lui qui voit, il a joué, il a eu 274 euros. Il y a un autre qui vient, 7e rang, 331 euros. OK. Il y a un autre qui vient, et ainsi de suite. Les gens peuvent gagner jusqu'à 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Si vous laissez circuler, vous allez voir des gens qui ont gagné 3000 euros, 2000 euros, juste en tant que des players. Donc ici, chacun choisit l'option qui lui sied et vous mettez l'accent là-dessus. Voilà. Donc, vous suivez bien attentivement la présentation pour qu'à la fin, vous sachiez où est-ce que vous allez vous orienter. Maïdacio a pensé à tout le monde. Ceux qui n'aiment pas l'affiliation, ils sont ici. Ceux qui aiment jouer et gagner de l'argent, ils sont ici. Ceux qui aiment spéculer, ils sont ici. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, pour pouvoir spéculer, vous devrez absolument avoir le back-office dans lequel on va avoir les deux types de pièces qui sont ici, c'est-à-dire le play d'as et le gold as. Ils ont deux pièces de monnaie qui prennent la valeur comme le bitcoin, appelé play d'as et gold as. C'est ce que vous devrez acheter à bon prix et attendre que ça prenne la valeur. Et je suis en train de dire que tant que vous demeurez player, vous ne pourrez pas avoir accès au back office pour pouvoir le faire. Donc, soit vous êtes player, mais vous pouvez aller, si vous voulez spéculer, là, il va falloir acheter l'un de ces packs qui sont là, l'un de ces packs-là, pour devenir un affilié. Et là, vous devrez payer l'un de ces packs avant d'avoir accès à la plateforme. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Je suppose que je viens de payer mon pack, l'un de ces packs-là, et j'ai accès à la plateforme. Mais notez avant de partir que si tu prends ce pack, on te donne des game credits d'une valeur de 1000 euros. Excusez-moi, je reprends. Si tu prends ce pack pour avoir accès à la plateforme de spéculation, de jeu de spéculation, on te donne 1000 game credits. Et ces 1000 game credits, tu peux les convertir dans une des monnaies, dans l'une des monnaies qu'on appelle le play d'axe. Il y a deux monnaies. Il y a le gold axe. Voilà le play d'axe. Comment ça s'écrit? Donc, vous pouvez trader. Trader, c'est quoi? Acheter quelque chose moins cher comme des tomates ou partir vendre plus cher en ville quand ça prend de la valeur. Donc, il y a le play d'axe. Et puis, il y a un autre qu'on appelle le gold axe. Ce sont ces deux-là. Ce sont ces deux-là qu'on va se servir ici pour pouvoir jouer. Donc, je t'aimerais dire que contrairement au play d'axe ou avec votre affiliation, votre pack d'affiliation, on donne des game credits que vous pouvez convertir. Le gold as, lui, on ne peut pas convertir. Donc, voilà un exemple. Celui qui est rentré en starter pour avoir accès à la plateforme de spéculation, on lui donnera 1000 game credits qu'il pourra convertir en play d'as. Celui qui est rentré ici, qui ne veut pas aller jouer, il a eu 20 000 game credits qu'il pourra convertir en monnaie qu'il peut prendre pour spéculer. Celui qui est rentré à SA, on lui a donné 70 000 game credits qui peut convertir en play d'as pour spéculer. Maintenant, si vous avez la plateforme, que ce qu'on vous a donné n'est pas suffisant, alors vous pouvez augmenter vous-même en achetant directement, en approvisionnant votre compte, en mettant l'argent sur votre compte, deposit crypto,
en passant par soit Bitcoin pour acheter l'argent sur votre compte, Ethereum ou Tether pour augmenter votre argent et avoir l'argent qui est dans votre compte, ou pour acheter les deux types de pièces avec lesquelles vous allez spéculer. Donc là encore, des gens qui n'aiment pas le jeu en ligne, les gens qui n'aiment pas le sport bot, mais qui aiment la spéculation, peuvent venir ici spéculer et gagner aussi de l'argent. Je vous informe que la spéculation, ce n'est pas forcément le forex. C'est encore plus simple. Le forex, ici, le citoyen lambda, il voit que la chose coûte 0,04 aujourd'hui. Et puis, il paye. Et puis, il attend. Il observe le marché. Il observe le marché. Il attend. Il observe le marché. Et le jour où il décide de vendre, peut-être qu'une pièce de Pledas coûte 1 euro. Si ça coûte 1 euro, il aura fait combien comme marge? Il aura fait 1,96 euros par pièce. Quand il payait, il faisait 1,04. Le jour où il décide de vendre, un fait 2 euros. Par exemple, si un fait 2 euros, la marge qu'il aura faite sur une pièce, c'est 1,96 euros. Si vous avez pris des milliers de pièces, vous gagnez des millions. C'est la même chose pour le Goldax. On n'a pas besoin d'être un trader pour maîtriser comment le Goldax fonctionne. Aujourd'hui, on me dit qu'un fait 2,38 euros. J'achète des milliers. Je garde. Le jour, l'année dans laquelle une pièce fait 5 euros, alors je décide de vendre. Si un fait 5 euros, ma maille sera de 2,92, je crois. Non, 2,62 euros. 2,62 euros, la maille sur chaque pièce que vous avez prise. Donc, mesdames et messieurs, voilà de façon simpliste ce que vous devez comprendre de la spéculation. Ils ont des pièces que tu peux avoir un compte et quand tu payes, ça est stocké là chez toi. Je vous montre un exemple chez moi. Je suis rentré moi-même en tant que un business pro. Que vous voyez là, business pro. Et c'est là qu'il y a le P qui est là, business pro. Vous pouvez voir le statut de tout le monde ici. Voilà, celui qui a ce statut-là, c'est un business pro. Celui chez qui vous voyez ça, là, c'est un starter, il a payé 99 euros. Si vous voyez ça chez quelqu'un, il a payé le business, 599 euros. Si vous voyez ça chez quelqu'un, il a payé 2000 euros, 1999 euros. Bien. Maintenant que vous avez compris ça, on revient sur le back-office pour vous montrer que j'ai payé le pack et donc j'ai accès à la plateforme de spéculation. Et ici, vous voyez là, j'ai le Pledax. Je clique sur Trade, qui veut dire commercialiser ou bien vendre ou acheter. Et ici, il y a deux groupes de personnes. D'un côté, des gens vendent. Ici, des gens achètent. Je vous montre un exemple en temps réel avec le Bitcoin. Pendant que je vous parle, comment les gens sont en train de trader, de acheter et vendre, acheter et vendre. Donc, un groupe achète, un groupe vend. Ceux qui sont en bleu, ils sont en train de vendre. Pardon, ils sont en train d'acheter. Il dit que moi, je vais acheter 1000 pièces à tel prix. Moi, je vais acheter 390 pièces à tel prix. Et ici, cela dit que je vends 3247 pièces à tel prix. Forcément, les deux groupes gagnent. Je vous montre un exemple, se passe depuis que le Bitcoin est en train de monter en flèche. Regardez comment les gens sont en train de spéculer. Regardez cette plateforme. Ça n'a rien à voir avec Dacio. Ça, c'est pour Bitcoin. Regardez le mouvement. Regardez le mouvement. Tout ce que vous voyez là sont des transactions qui sont en train de passer par seconde. Des gens achètent, des gens vendent. Ceux qui sont en rouge sont en train de vendre. Sont en train d'acheter, pardon. Ceux qui sont en vert sont en train de faire quoi? D'acheter. D'autres achètent, d'autres vendent. D'autres vendent, d'autres achètent. Donc, dans toute plateforme de spéculation, il y a deux groupes de personnes. Et voilà le prix actuellement du Bitcoin. 22 790 Bitcoin. Mais regardez bien, à tout moment, ça change un peu. Regardez bien le Bitcoin, le prix du Bitcoin, regardez bien. Regardez bien les chiffres. Ça change à tout moment. Alors, pourquoi ça change? C'est l'offre et la demande qui établissent le prix sur le marché. Plus les gens déposent de l'argent pour acquérir, plus le prix augmente. C'est la même chose pour le Dacio. Aujourd'hui, Dacio vient de commencer. Dans un an, dans cinq ans, c'est comme ça que les gens vont spéculer avec le Dacio, avec le Pledas et le Goldas.
C'est pour ça que si vous êtes vraiment un homme d'affaires qui voit grand, c'est le moment de pouvoir en acquérir pour que demain, vous puissiez en chose. Ainsi, moi, regardez ce que j'ai pris. J'ai pris 7768 pièces plus 7780 pièces. En fait, j'ai pris, ils ont divisé en deux. Quand vous prenez, ils divisent en deux, j'ai pris plus de j'ai 15 000 pièces. 15 400 pièces, je crois. 15 000 et quelques pièces. Les 15 000, je crois que c'est 15 045 pièces, je crois. Les 15 000 et quelques pièces que vous prenez, ils vont diviser en deux lots. Un lot avec lequel vous pouvez spéculer pour retirer votre argent. Actuellement, je peux vendre mes 7 000 pièces s'il y a besoin d'argent. Je peux vendre mes 7 000 pièces à un prix qui m'arrange. Si, par exemple, demain, le prix tombe à 0,06 euros, que je vais vendre toutes mes pièces alors que je l'ai acheté à 0,04 euros, je me fais une marge. Si demain, le prix tombe à 0,08 euros, que je vais vendre toutes mes pièces, je vends. Mais ce stock ici, lui, il est bloqué pour 3 mois. Durant 3 mois, on me donne la date de déblocage que mes pièces seront débloquées à telle date. J'ai acquis des différentes pièces à différentes quantités jusqu'à ce qu'il y ait ce montant. Donc, j'ai eu au moins 10 commandes. Quand j'ai un peu d'argent, j'achète. Quand j'ai un peu d'argent, j'achète. Aujourd'hui, j'ai ce nombre que vous voyez là. Donc, à chaque pièce, par exemple, cette quantité-là, on me dit que ça sera débloqué le 3e mois 2021. Alors que cette quantité, on me dit que ça sera débloqué le 7e mois 2021. Voilà un peu comment ça se passe pour le play d'as. Maintenant, la bonne nouvelle pour vous, c'est que vos game credits que vous avez à l'adhésion, ça va tomber ici. Les pièces, je vais montrer. Quand vous faites votre affiliation, votre adhésion, la quantité qui est ici, vous pouvez convertir ça en play d'as. Et dans la conversion, 100 play d'as, pardon, 100 game credit vous donne 1 euro. 100 game credit vous donne 1 euro. Donc, sur cette base-là, vous pouvez donc utiliser vos game credits là pour pouvoir faire. Mais sachant que, par exemple, lui, il a 2500 game credits, ça lui fera 27 euros. S'il a ça. Si celui-ci, il a, comment on appelle, 8500 game credits divisé par 100, ça va faire 85 euros. Tu prends donc les 85 euros et tu viens ici. Tu vas cliquer sur Trade. Et tu vas diviser ta quantité là par le prix d'une pièce. Donc, supposons que j'ai les 85 euros ici. Ou bien tous ceux qui sont entrés avec le pack de starter, pour vous, c'est, on vous a donné 1000 noms, 1000 game credits. Les 1000 divisés par 100, puisque 100 game credits donnent 1 euro, vous aurez 10 euros. Les 10 euros seront... Excusez-moi, il y a une coupure ici, donc... ma connexion... je suis obligé de me connecter sur mon portable, ma puce.
Donc, excusez-moi, d'où l'interruption qu'on a eue tout à l'heure. Donc, je continue. Bien. Donc, on va diviser ce montant qui est là, le montant qui est ici, par le truc, on dirait le nombre de pièces. C'est la même chose pour le Goldax. Le Goldax, par contre, mesdames et messieurs, pour le Goldax, lorsque vous faites votre adhésion, pour le Goldax, vous ne pourrez pas convertir vos Game Creditors en Goldax. Vous devrez approvisionner votre compte directement en venant ici, deposit crypto. Donc, hormis votre adhésion qui vous a coûté de l'argent, pour le Goldax, vous devrez venir ici ajouter de l'argent dans votre compte. Et c'est cet argent maintenant que vous allez prendre pour en acheter. On va faire un exemple devant vous. Non, je ne veux pas utiliser mon argent. Je n'ai que 200 euros, je ne vais pas l'utiliser. Donc, vous venez ici. Regardez, moi, j'ai 1000 et quelques pièces. Là, c'est 1045 pièces. Alors, les 1045 pièces, je les ai achetées au prix de 2,50 euros. Le prix a baissé aujourd'hui un peu, mais ça a monté, ça monte toujours, ça a monté toujours. Donc, c'est comme ça, ça fluctue, ça monte, ça descend, mais ça monte toujours. Un jour, ce montant-là sera 5 euros. Si je vends mes 1000 et quelques pièces, je me fais une marge importante de plus d'un euro et demi par pièce. Et voilà ce qu'on appelle, mesdames et messieurs, la spéculation avec maïdation. Alors, le back-office, on vient de voir, mesdames et messieurs, les trois options. On a parlé de les players, on a parlé de Sportbot, et dans votre back-office, voilà comment le Sportbot apparaît, avec tous les taux de la semaine. Par exemple, j'ai fait un petit exercice quand je me suis adhéré à Maïdatio. Regardez ici, j'ai déposé 100 euros pour voir vraiment comment ça fonctionne. Moi, en tant que Binet Pro, on me permet de miser jusqu'à 10 000 euros. On me dit, comme j'ai déjà misé 100 euros, je peux encore miser jusqu'à 9 900 euros dans le Sportbot. Maintenant, mes 100 euros, je les ai déposés et voilà ce qui est là. Derrière les taux de la semaine, plusieurs semaines sont passées là. Enfin, pas plusieurs semaines, au moins deux semaines. Et chaque jour, les taux s'affichent. Regardez ici. Cette journée du 7, le taux était de 0,81 euros. Cette journée du 8, 12e mois, 1,71 euros. Pardon, 71%, excusez-moi. Le 8, 12e mois, 2,14%. Le 10, 2,35%, etc., etc. Donc ça, c'est dans le Sportbot. Comme je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter en live comment ça se présente, je suis en train de le présenter. Donc, à la fin de la semaine, ils vont additionner les taux et faire quelque chose. Mesdames, messieurs, je viens de vous présenter les trois options pour se faire de l'argent avec Maïdatio. Il reste maintenant la dernière option, qui est de bâtir un réseau, de s'enregistrer en tant qu'affilié et de payer le pack d'affiliation qu'on a vu tout à l'heure. Les trois packs-là, vous choisissez l'un des packs. C'est quand vous payez le pack, vous avez accès à ce back-office, vous avez accès à la spéculation et à tout cela. Si vous ne payez pas, vous n'avez pas accès à tout cela, vous ne pouvez pas jouir de cela facilement. Maintenant que vous avez compris, on va aller rapidement évoluer au niveau de la présentation pour montrer comment on peut se faire de l'argent avec Maïdatio, en tant que personne qui vient ici pour pouvoir être apporteur d'affaires, et on a parlé des affiliés que vous voyez ici, là. Donc, on va attaquer ce côté-là. On va parler des affiliés, du plan de compensation et de traitement des leaders dans ce business. Mesdames et messieurs, vous avez 9 façons de faire de l'argent avec Maïdatio. 9 façons. OK, bien. Donc, voilà le pack qu'on vous a présenté. Toute personne qui veut utiliser cette option pour se faire de l'argent est obligée de payer l'un de ces packs. Et vous l'avez constaté que quand on paye ce pack, ce n'est pas perdant. Parce qu'on vous donne l'occasion d'avoir des playdax en convertissant vos game credits en choses. Et vous savez aussi qu'il y a des avantages qui sont liés au pack. Voilà les avantages peut-être que vous ne savez pas que je vais vous donner, citer. Lorsque vous prenez l'un des packs d'affiliation, un, vous pouvez miser gros dans le Sportbot.
Rappelez-vous, tant que vous n'avez pas pris d'impact, vous n'avez pas mis dans le sport board. Donc, le fait d'être affilié déjà, en P-Impact, vous avez des avantages. Premier avantage, vous avez la licence pour être un apporteur d'affaires pour la compagnie. C'est la première chose. Deuxième avantage, vous avez des game credits. Qu'on appelle Dacio Game Credit, qui est là. Troisième avantage, on vous traite spécialement par rapport à ce qu'on appelle au sport bot. Vous pouvez miser une certaine quantité d'argent dans le sport bot. Quatrième avantage, selon votre mise, quand vous voulez spéculer pour vendre, acheter, vendre, si vous avez pris un très petit pack, vous ne pouvez pas miser, vendre un grand nombre de pièces dans la journée. Ou c'est bloqué. Ou il y a un niveau que vous ne pouvez pas atteindre. Par exemple, dans le play d'as, on achète, on vend, n'est-ce pas? Si tu es starter, tu ne peux pas vendre plus de 1000 pièces. C'est ton plafond. Si tu es business, tu ne peux pas vendre plus de 5000 pièces. C'est ton plafond qui est 5000 pièces. Si tu es business pro, ton maximum, c'est tu peux vendre 10 000 pièces. C'est valable pour le Goldas. Les deux là, montants là, sont les mêmes. Playdas, Goldas, c'est les mêmes montants. Tu es limité à ça. Et donc, plus tu prends un pack élevé, tu as des avantages énormes. Mais, en ce qui concerne le binaire, l'argent qu'on gagne dans le binaire, tout le monde est traité de la même manière. Si tu parraines quelqu'un, ici, dans cette compagnie, on ne tient pas compte du pack d'adhésion pour donner de l'argent à la personne. On tient compte de l'argent que la personne a payé. Par conséquent, si tu es starter, tu parraines quelqu'un, tu as 10%, 10%, 10%, tout le monde a 10%. Sur ce que paye la personne. Ça veut dire quoi? Si vous êtes starter, que vous parrainez quelqu'un qui rentre avec Business Pro, qui est là, tu gagnes 10%, ça veut dire 189,9 €. Si tu es starter, tu parraines un business, tu peux gagner 59,9 €, etc., etc. Dans le binaire, chaque personne a 10% sur le pied faible. Et dans le e-gaming, quand vos amis vous jouent dans le casino, vous pouvez gagner 10 à 25%. Quand vos amis gagnent dans le casino, on vous donne de l'argent par rapport à ça. Mesdames, messieurs, voilà une vue générale du plan business, mais que je vais ouvrir ici pour donner les détails. Maintenant, voilà les 8 façons, et non pas 9. J'ai dit 9 tout à l'heure, c'est une erreur. Voilà les 9 façons de faire de l'argent avec MyDacio. Dans toute cette liste que vous voyez là en couleur multicolore là, on a déjà parlé de certaines choses. Mais quand même, je vais les citer. En mentionnant les 4 options de gain, j'ai déjà mentionné certains points et donc dans l'expression, vous allez vous retrouver facilement. Regardez ici. La compagnie dit que si tu rentres dans ce business, toute personne que tu vas parrainer en tant qu'affilié avec ton lien d'affiliation, tu gagnes 10% de ce que la personne paye pour le pack d'adhésion. Je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire le premier bonus, il est payé instantanément à l'instant. L'instant où la personne paye net, tu as ça. Le deuxième bonus s'appelle Fast Start Bonus. Le Fast Start Bonus, c'est un bonus qui est valable pour 30 jours. C'est un challenge. La compagnie te dit, comme tu viens d'adhérer dans ce business, tu dois parrainer 2 personnes et tes 2 personnes doivent aussi parrainer des gens. Si donc, tu remplis le niveau que c'est rempli de cette manière-là, Fast Start Bonus, que c'est rempli comme à droite ici, tu es là, c'est toi qui es A, tu as mis 1 personne et 2e personne, et ces 2 personnes ont parrainé. C'est lorsque ces 2 personnes parrainent que tu es qualifié pour le Fast Start Bonus. Si toi-même tu remplis les 6 positions, tu n'es pas qualifié. Il faut que tu parraines A, 1 et 2, et que 1 et 2 parrainent leur filleul pour qu'on ait 6 personnes au total, que tu sois qualifié pour les 30 jours. Ça doit se faire dans les 30 jours. Et si ça se fait, comment on te paye? On va additionner chaque montant de chaque personne, de chaque pack d'adhésion. C'est ainsi que regardez là, le montant numéro 1, du numéro 2, du numéro 3, du numéro 4, du numéro 5, du numéro 6, ça donne 4 894 €. On va diviser par 6 pour chercher la moyenne, puis ça fait 6 personnes, ça fait 6 montants là. Donc on va chercher la moyenne. La moyenne ici, ça fait 815 €. On va revenir sur l'un des montants, sur tous ces montants, pour se demander, mais les 815 € là, c'est proche de quel pack d'adhésion? C'est proche de 99 €? Non. Proche de 1989 €? Non. Il est plus proche de ce montant, 800 et quelques euros. Les 800 € sont plus proches de 599 €.
Donc, c'est ce montant qu'on va te donner et tu vas prendre ça tranquillement. Si le calcul donne, est proche de 1999 euros, même si ton pack, toi-même, tu es rentré avec le plus petit pack, tu vas te chicoter les 1999 euros, on te donne ça cash. Si par contre, tu rentres en Binet Pro et que tu n'as parrainé que des gens qui ont pris des petits packs et que la somme est proche de 99 euros, on te donne 99 euros. Voilà, mesdames, messieurs, ce qu'il y a du deuxième bonus, qu'on appelle Fast Start Bonus. Le troisième bonus s'appelle le bonus du Sport Bot. Je vous ai parlé du Sport Bot tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il y a trois choses dans le Sport Bot, mais je ne vous ai présenté que deux choses. La chose que je n'ai pas présentée dans le Sport Bot de tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a deux choses, trois choses. Je vous ai montré les montants à déposer. Je vous ai montré le pourcentage lié à chaque montant. Mais la troisième chose que j'ai réservée pour vous, c'est celui-ci. Il y a un bonus qu'on donne aux affiliés. Toute personne qui va construire un réseau, et le réseau va se développer niveau 1, niveau 2, niveau 3. Si vos membres viennent miser des sommes d'argent dans le Sport Bot ici, et que par semaine, ces personnes gagnent de l'argent, alors la compagnie va vous payer de l'argent sur leurs gains. Tout ce d'argent que les gens gagnent par semaine, tu auras 1%. 1%, 1%, 1% du niveau 1 jusqu'au niveau 5. Mais pour ça, il faut que tu ouvres un binaire et que tu puisses commencer à te faire de l'argent. Vous comprenez? Bien. Maintenant, notez bien, dans cet argent qu'on va vous donner, supposons qu'un de vos amis a eu 1000 euros. C'est vous qui l'avez envoyé. Votre 1% de 1000 euros, ça fait 10 euros. Les 10 euros, la compagnie va diviser en deux. Elle va donner, elle va consacrer 40% pour payer des plaidas pour vous donner, et va garder 60% pour pouvoir retirer en cash. Il va dans votre cash account dans votre back office. Mesdames, messieurs, dans le back office, il y a beaucoup de wallets. Il y a voilà, Dasio Wallet, Casino Wallet, Plaidas Wallet, Game Credit, Commission Wallet, Sportbot. Dans tout ce que vous voyez là, où il y a moins, on peut retirer de l'argent là-bas. On peut retirer ici, on peut retirer ici, on peut retirer ici. Et où il y a les plus, on peut ajouter. Là, on peut faire des retraits. Tout ce que vous voyez moins, on peut faire des retraits là-bas. Donc, on vient de vous montrer que lorsque vos membres jouent et qu'ils gagnent de l'argent, alors on vous donne aussi de l'argent. Et les 1% sur 5 niveaux, ça fait combien de pourcents? 1 à 5%. C'est ça qui est la commission numéro 3 et c'est payé aussi par semaine. Donc, si vos membres jouent beaucoup dans le Sport Bot, vous gagnez beaucoup d'argent sur 5 générations. Le binaire, la compagnie vous paye sur le pied faible. Elle applique 10% sur le pied faible, comme cela vous a été montré ici dans le pacte d'adhésion. D'ailleurs ici, elle dit qu'elle donne 10% dans le binaire. Et cela vous permettra de gagner de l'argent, aller de 1000 euros par semaine jusqu'à 200 000 euros par semaine. Alors, les 10%, on va l'appliquer sur le pied faible. Et donc, les 10% quand on applique sur le pied faible, par exemple, peut-être vous venez de commencer, vous n'avez aucun grade, les 10% donnent par exemple 5 000 euros. On ne vous donnera pas les 5 000 euros. Vous voyez, quand on fait un calcul de 10% sur un montant, ça donne un montant à l'infini, on peut trouver toutes sortes de montants. Toutes sortes de montants. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on a appliqué 10% sur les points de votre pied faible qu'on a trouvé 10 000 euros qu'on vous donnera 10 000 euros. La compagnie tiendra compte de votre rang, votre grade, qui va de affilié jusqu'à diamant noir. Et c'est sur la forme, sur la base de votre grade qu'on va vous donner de l'argent. Ainsi, selon votre grade, les affiliés peuvent toucher 1 000 euros, les bronzes peuvent toucher 3 000 euros quand on applique les 3%. Je donne un exemple. Supposons que tu es bronze. On a appliqué les 10% avec 5 000 euros. Mais tu ne mérites pas 5 000 euros. On ne te donnera que 3 000 euros. La semaine prochaine encore, c'est par semaine, hein? On applique encore, etc., etc. Et donc, cela peut permettre à les gens d'avoir 1 000 euros par semaine jusqu'à 200 000 euros par semaine selon leur grade. Pour avoir les grades, il y a deux conditions. Et la compagnie tient compte de deux personnes que vous avez parrainées, de au moins deux de vos filleuls, pas forcément les deux directs, les deux premiers, mais dans votre réseau, ceux que vous avez parrainés, il faudrait aussi qu'eux aussi évoluent. Par exemple, pour être bronze, il faut que vous ayez un affilié à gauche, un affilié à droite. Un affilié, c'est celui qui a payé le pack d'adhésion. Pour devenir silver, il
Vous avez un bronze à gauche, un bronze à droite, et que votre pied faible génère 2000 points. Là, vous êtes qualifié silver. C'est mon cas actuellement. Regardez ici. Je suis à 60% pour devenir silver. Je suis dans ma troisième semaine. Et j'ai été bronze. La seule chose qui me bloque actuellement en termes de points, c'est OK. C'est OK. C'est OK. La seule chose qui me bloque actuellement, c'est que je n'ai pas encore un bronze sur mon côté gauche. Pardon. C'est ça, non, oui. Pour être silver, j'ai besoin d'un bronze sur mon côté gauche, un silver sur mon côté droit. Il dit one needed. Needed. C'est-à-dire que j'ai besoin de un à gauche et un à droite. Tant que je n'ai pas eu ça, même si je vais avoir 1 million de points, tant que je n'ai pas aidé deux de mes filles à être ça, je ne peux pas quitter bronze pour devenir silver. Je suis silver, je vais devenir gold. Mais deux filles à gauche et à droite doivent être aussi silver avant qu'elles soient gold. Cela permet aux gens de ne pas abandonner leurs filles, de les aider à progresser. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous trouvons que c'est un très bon business qui n'est pas trop égoïste, où la solidarité, l'équipe, le travail d'équipe compte beaucoup ici. Mesdames et messieurs, voilà donc comment se passe l'argent dans le binaire. Les 10% dont les questions ici. Donc, vous retenez qu'on peut gagner 1 000 euros par semaine jusqu'à 200 000 euros par semaine selon votre grade. La commission numéro 5 ici, c'est le making bonus. L'argent que vos gars gagnent dans le binaire ici, la compagnie va appliquer un certain montant qui est de 5%. Mais pour appliquer 5%, il faut avoir vous-même un certain grade avant de jouir des 5% sur vos filles. Et cela, c'est ce que je vais montrer maintenant. Le making bonus. Le making bonus, vous pouvez l'avoir, mais il y a un certain grade. C'est quoi la parole de grade silver que peut avoir le making bonus. Making bonus, voilà ça qui est là. Il faut être silver. Si vous êtes silver, l'argent que vos filles, les 1 000 euros jusqu'à 200 000 euros que vos filles gagnent dans votre réseau, votre équipe gagne dans le binaire, on va vous payer sur 5 générations. Le niveau 1, on vous donne 5%. Si vous êtes silver vous-même, ce que eux gagnent, tous vos membres du niveau 1, on vous donne 5% sur eux, sur l'argent gagné dans le binaire. On vient de décrire comment on gagne l'argent dans le binaire, n'est-ce pas? Si tu es gold, on te donne 5% sur le niveau 1, 5% sur le niveau 2. Tu es platinum, on te donne 5% sur 3 niveaux. Tu es diamant, on te donne 5% sur 4 niveaux. Tu es diamant bleu et plus, on te donne 5% sur les 5 niveaux, ce qui fait dire à la compagnie que vous pouvez avoir jusqu'à 25% de marketing bonus. Le casino, quand vos amis jouent, les gens de votre équipe jouent, ça génère et gagne de l'argent. La compagnie va tenir compte de l'argent qu'eux gagnent pour payer de l'argent. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Vous pouvez gagner jusqu'à 10 à 25% dans le casino, dans votre réseau. Sans cela, on va tenir compte de ce qu'eux, ils ont gagné. Par conséquent, si il y a 4 chemins. Si l'argent qu'eux gagnent, tous vos gens, vos amis, les players, ou tout le monde qui joue dans le casino, ils jouent au Paris sportif, ils jouent au casino, ils jouent toutes sortes de jeux, et puis ils gagnent. La compagnie va faire le total de leur argent et on va vous donner 10%. Si la personne, ils ont eu entre 1 000 euros et 9 999 euros, vous avez 15%. Donc, ça veut dire que plus eux gagnent l'argent, ce n'est pas vous. Plus eux gagnent beaucoup d'argent, plus toi, tu gagnes un taux élevé. Plus ils gagnent beaucoup, plus il y a un taux élevé. Voilà un peu, mesdames et messieurs, comment vous pouvez chicoter jusqu'à 25% dans le casino, c'est payé aussi par semaine. Donc, ça veut dire quoi? Mes amis jouent, ils gagnent. Moi, je ne sais pas jouer au casino, mais ils savent jouer. Moi, je gagne de l'argent. Il reste maintenant, mesdames et messieurs, deux paiements qui sont là. Je vais vous montrer un chemin qui explique bien cela. Lorsque la compagnie finit de payer toutes les commissions qui sont là, il reste encore de l'argent dans la poche de la compagnie. Et c'est avec cet argent maintenant qu'elle va traiter différemment deux groupes de personnes que je vous montre. Les deux groupes de personnes, ce sont ceux qui détiennent des gold tokens. Vous vous rappelez, quand on parlait de spéculation, on a parlé de gold token. Et le gold token, je vous le présente encore.
ceux qui détiennent cette monnaie-là, ça là, non seulement ils gagnent de l'argent parce que la monnaie prend de la valeur, mais ceux-là, chaque mois, la compagnie va leur donner de l'argent dans un pool. Et c'est ce que je viens de vous montrer actuellement. Ça fait un. De deux, le deuxième groupe de personnes, les leaders, ceux qui ont atteint certains grades, en développant le business de Maïdasio, à partir de certains grades, regardez ici. Leadership pool bonus. Là, regardez là. Leadership pool bonus. Voilà les rangs. Je disais, on peut gagner de 1 000 euros jusqu'à 200 000 euros. Ceux qui ont atteint des grades allant de affilié jusqu'à diamant, à partir d'un certain moment, tu es qualifié pour aller dans le bonus pool. Voilà ça qui est là. Si tu es gold, tu prends deux morceaux, deux parts. Si tu es platinum dans le pool, tu as trois morceaux ici. Ici, tu es diamant, tu as cinq morceaux ici. Tu es diamant bleu, tu as 10 morceaux ici. Tu es diamant chose, tu as 20 morceaux. Ici, tu as 30 morceaux. Si vous calculez tout ça, ça fait un certain montant. Et donc, c'est ce que la compagnie tente d'expliquer ici dans ce document. Donc, ce qu'ils appellent le net profit, quand la compagnie a fini de payer toutes les commissions qu'on a vues en haut, il reste encore de l'argent. Elle va diviser cet argent en quatre parties. Elle-même, compagnie, prend 8%. Elle donne 2% aux œuvres de charité des ONG pour les enfants. Elle donne 50% à ceux qui détiennent des gold tokens, le gold DAX. Et comment on partage cet argent? La compagnie, par exemple, je donne un exemple. Elle décide de partager 50% qui représente, par exemple, 10 millions d'euros. Les 10 millions d'euros, on va les partager de façon proportionnelle. On te demandera combien de gold tokens tu détiens. Combien de Playdas, de Goldas, pas Playdas, combien de Goldas toi tu détiens? Ça là, cette monnaie là, tu as combien sur toi? Par exemple, moi, chaque mois, on me paye, j'ai au moins 1000 pièces, au moins 1000 pièces. Donc, regardez ici, je précise ça, Goldas, moi j'ai 1045 pièces. Donc, chaque mois, quand on va payer les gens dans les 50%, moi, mon nom sera cité, on me paiera ici dans le gold token. Je fais partie de ce pool-là. Et donc, c'est en fonction du nombre que je détiens que je vais manger dans les 50% de gold token. Selon les parts que tu détiens. C'est selon ça qu'on te paiera. Il reste maintenant 40%. 40%, c'est pour traiter différemment les leaders en leur offrant des voitures. Des voitures. La compagnie peut vous donner jusqu'à 40 000 euros. Mais pour ça, il faut se qualifier, il faut être diamant, il faut être d'abord platinum ou diamant et plus. Et être capable, sur ton pied faible, accumuler sur trois mois consécutifs, 30 000 BV. BV, business volume, les points sur ton pied, sur trois mois consécutifs. Quand tu es qualifié pour la voiture, on te donne d'abord pour 30% d'abord la voiture. C'est-à-dire les 40 euros, là, on te donne ça d'abord. On ne te donne pas la voiture. On te donne de l'argent que toi, tu peux utiliser pour acheter ta voiture. Donc, on te donne 40 pour... L'argent, c'est 40 000 euros qui est pour toi. Mais on ne te donne pas les 40 000 euros un coup cash. On te donne d'abord first payment, 30%, et le reste est réparti à des petits montants de 5% sur un certain nombre de mois. Si au cours du mois, la compagnie se rend compte que toi, tu as joué un jeu, tu as triché pour pouvoir gagner, que tu n'es pas capable de pouvoir atteindre ce montant-là, alors on te retire le reste. Voilà, ouais, on te retire le reste et tu ne pourras pas profiter du reste. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, on a donné les 30%, ça fait un montant. Et le reste, je cherche cette voiture-là. Et le reste maintenant, on va répartir ça et on va te donner ça en petits morceaux, 5% chaque mois. Si tu suis trois mois consécutifs, on se rend compte que tu n'arrives pas à atteindre ce taux-là, comment on appelle, ce montant-là. Tu n'arrives pas à atteindre les 30 000 BV, alors on arrête le paiement. C'est ça qui est écrit en petit part là. If you don't nourish, we require sale volume in any month during this sponsorship period,
The company will not pay you pay for the month. Donc, s'il y a un mois dans lequel tu n'as pas pu atteindre, d'abord, on ne te paye pas. C'est la première chose. If volume is not to, is not met 2 months during this responsible period, the company shall cancel, will cancel the agreement. Donc, je reprends. Et c'est le dernier, et puis on aura fini. Notez que, mesdames et messieurs, on dit que quand tu es qualifié, pour se qualifier, il faut avoir accumulé 30 points sur 3 mois consécutifs, mais il faut avoir d'abord le grade de platinum ou de diamant et plus pour pouvoir le faire. Tu l'as fait durant 3 mois, tu es platinum au moins, et tu as accumulé 30 000 BV sur 3 mois consécutifs. Donc, paf, tu es qualifié pour ça. Tu es qualifié pour ça, on va te donner d'abord 30% de 40 000 euros. Vous pouvez calculer, hein? Vous prenez 40 000 euros, ok? Vous multipliez par 30, ok? Vous divisez par, vous divisez par 100. Le modèle trouvé, c'est ce que vous gagnez déjà. On vous donne ça cash déjà. Maintenant, il reste 70%. Le reste de l'argent qui reste, qui sera là, on va te donner 5% chaque mois. Si un mois passe, un mois arrive que tu n'as pas pu atteindre, on ne te paye pas dans ce mois. Si tu accumules les mois où tu n'as pas pu atteindre, un mois et 2 mois, on annule. Premier mois, on te tolère. Le mois prochain, tu gagnes, on peut te payer. Mais si tu accumules 2 mois sans pouvoir le faire, on annule le contrat. Donc, tu n'auras eu que 30% seulement des 40 000 euros. Mesdames et messieurs, voilà la présentation de Maïdacio. Alors, on me demandera, mais comment on retire son argent? Pour retirer de l'argent, mesdames et messieurs, il y a des options de paiement. Notez que la compagnie, d'abord, pour rentrer dans le business, il y a 3 options pour rentrer dans le business, à savoir le Bitcoin, l'Ethereum et le Tether. Vous savez que le Bitcoin et l'Ethereum sont des monnaies fluctuantes, qui fluctuent. C'est-à-dire ça chute, ça monte, ça descend. Par conséquent, Maïdacio, pour ne pas que des gens disent que, mais non, je devrais avoir 100 euros. Je serai dans mon banco, dans mon compte Bitcoin, il n'y a que 80 euros. Où sont partis les 20 euros? Parce que le Bitcoin a chuté, ton argent a diminué. Donc, il paye dans une monnaie stable, qui est le Tether, qui fluctue, mais vraiment, c'est insignifiant. Qu'on appelle aussi le USDT, qui se trouve dans toutes les blockchains. Donc, qu'est-ce que vous faites? Créez votre compte Bitcoin, et dans le compte blockchain de Bitcoin, vous allez avoir Tether. Vous allez prendre l'adresse de réception, et vous allez donc donner ça pour retirer votre argent. Pour retirer de l'argent, tu dois d'abord faire le KYC. Tant que tu n'as pas fait le KYC, tu ne peux pas retirer de l'argent. Dans mon pays, en Côte d'Ivoire, comme dans d'autres pays, des membres ont fait des retraits et ça a été payé. C'est sur ce point que je vais vous laisser et on va passer la parole à mon collaborateur, à le co-animateur, ok, Monsieur Alain Sauvé. Et peut-être il a quelque chose à ajouter et après on passe aux questions. Je vous remercie pour votre attention.